cadre formation conseil présidentiel transition, pendant que ambassadrice pays d'Haïti dans UNESCO, Dominique Dupuis, tourne représentant aidé. Magistrat New York Eric Adams et révérend Al Sharpton lancé un appel pressant by Washington en faveur pays d'Haïti. Et puis dans l'international, la secrétaire d'État américain Anthony Blinken, après l'Égypte, a bien pour aller en Israël, côté l'a cherché un cessez-le-feu dans la guerre israélo-hamas avec libération otage qui en bas main militant Hamas. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour un petit moment. Merci d'avoir choisi VOA Creole pour informer. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment qui l'est et qui côté wap tande et puis gade en même temps vidéo ça. C'est un réel plaisir pour nous rentrer la caillou avec nouveau bulletin d'information ça que nous pote pour aujourd'hui. Parmi quelques grands points qui domine l'actualité que nous pote pour, n'a pas faut connaître, et bien si n'a pas avoué gros coup de chapeau by la police pour opération que yon mené sorti 20 pour arriver seulement 21 mars 2024 là qui quitte en pile moun ate. Gros gramme passé dans commune Miubale côté des moun arrivé bouler la caillou, n'a venir avec tout détail pour dans édition VOA Creole ça que nous même nous porter pour ayon l'autre côté n'a faut connait selon journaliste Valérie Numa et bien uniforme base 5 secondes gain y a utilisé sous doyo là et bien c'est pas un secret pour personne c'est pas uniforme qui nèg yo voye et bien c'est uniforme yo même qui té vini dans yon kanté IGPN té gagné qui nèg yo té déjà volé kanté si là li même qui té stocké avec tout uniforme ça c'est yo même nèg yo prend na à l'étranger, n'a pas connu Taïwan annoncé que yo détecté pour pipiti 36 avions militaires chinois yo même aux alentours ilé dans dernier 24 dans là yon l'autre côté tout n'a pas connu ministère des affaires étrangères qui ba qui c'est Minrex annoncé que hier qui était 21 mars là yo pral rentrer prend tout qui bien yo même yo gagné dans pays d'Haïti pour ça qu'en pile l'autre encore que nous porter pour une édition journal spécial la voix de l'Amérique ça nous porter pour là et bien n'a invité pour tendre mes édition la voix de l'Amérique là et n'a retourner notre temps qui pas trop long pour nous capable venir avec reste détail pour pas oublier abonner et quitter un like. Actualité concernant pays d'Haïti, composition collège présidentiel transition à prendre forme ça pour gagner yon note officielle ni bon côté CARICOM ni bon côté Premier ministre Ariel Henry. Cependant à partir de parti politique yo, formation politique yo ak alliance yo, nous gon idée de composition, hein, composition conseil présidentiel transition. Hein. Et ben d'abord, n'a dit que gagner Edgar Leblanc fils, Edgar Leblanc fils qui représentait collectif 30 janvier, gagnait Leslie Voltaire qui représentait famille Lavalas, gagnait Fritz Alphonse Jean qui représentait Accor Montana et puis Laurent Saint-Cyr représentant secteur entreprise, docteur Louis Gérald Gilles Accor 21 décembre, ambassadrice UNESCO Dominique Dupuis donc là capable Dominique Dupuis là et puis et dernière c'est Emmanuel Vertiller qui représentait Petite Dessalines. Et dernier choix ça, qui c'est choix et leader Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, provoqué en pile réaction dans la mi-temps classe politique là. Et parce que eh ben, Moïse Jean-Charles t'a dit dans une conférence pour la presse dernièrement là que lui rejetait toute démarche que CARICOM pral fait. C'est comme ça que gagne en pile réaction. Nous allons rejoindre correspondant à Port-au-Prince, Renan Toussaint. Là, c'est force de l'audio qui a parlé tout le monde, Chan Masque, qui était Chan Masque à voilà. Nous allons rejoindre Konya Renan Toussaint à Kounte annoncé. Nous avons une idée de bruit, coup de balle qui gagne dans Port-au-Prince. Nous allons rejoindre Renan Toussaint, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. Quelques problèmes techniques empêchaient que nous joignions Renan Toussaint et n'a pas le joindre Toussaint Konya là. Il y a un conseil présidentiel de transition, trois membres. Avec ancien sénateur élu Grandance, Guy Philippe, dans tête. Fito Lafleur, qui c'est leader parti politique, société optimiste, lutte
pour l'Union Transparence, Intégrité et Organisation Nation Solution, qui c'est tout coordonnateur général adjoint Réveil National pour Souveraineté d'Haïti, mandé ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui c'est leader parti politique en Petite Dessaline, explication Claire Coudloukoc par rapport à décision le prend pour voyer représentant dans le Conseil présidentiel cette même. Sénateur Moïse, c'est président parti politique national et international, les Haïtiens qui vivent dans notre pays. Sénateur Moïse a défendu la révolution. Si je ne dis pas, il fait battre devant la nation, devant la population, devant l'international, devant tout le monde qui a fait politique, il doit explication à peuple. Et c'est pour raison ça, nous n'avons pas anticipé rien de lui-même pour n'a dit rien, même quand la presse a parlé avec Moïse Jean-Charles et Moïse Jean-Charles a dit clairement qu'il s'en fait. Fito Lafleur lancé appel, reprise, mobilisation pour faire communauté internationale, là, notamment CARICOM, fait back sous installation cette même Conseil présidentiel de transition. Pas de rien qui a arrêté mobilisation. Et mobilisation, son mobilisation, moi dis nous, m'a répété encore, qui gagne 193 partis politiques qui sont dans le masque qui est avec nous. Qui gagne 4000 environ organisations sociales, une organisation sortie, un parti politique sorti, ça n'a pas dit nous rien, n'a avancé jusqu'à la victoire finale. Pendant ce temps, préparatif a fait pour capable installer conseil présidentiel cette même dans le palais national, après que Petite Dessaline fin accepté, voyez non, M. Emmanuel Ventiler comme représentant. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, c'est réaction qui sortit après que leader Petite Dessaline, Moïse Jean-Charles, lui-même lui prend une décision qu'on y a voyé yo représentant Petite Dessaline dans conseil transition conseil présidentiel transition et qu'on y a nous pour le rejoindre correspondant nous Massiado Villemay parce que capitale pays d'Haïti a Port-au-Prince toujours été tendu côté que grand pile coup de zame capturé. Massiado dis-nous quand on est là qui j'en sais. Moi-même, moi, trouvé au niveau de Champ de Mars et c'est la petite soucie à quelques mètres de Palais National. Nous, on a parlé ensemble, voilà, là, depuis deux heures, dans l'après-midi, un bien coup de balle, parce qu'ils sont shotés dans toutes directions, Palais National, soit au niveau de Bel Air, soit au niveau de rentrée sud capitale, là, c'est coup de balle qui a shoté. Sauf que nous, on est à qui attention, mais et la police lui-même, gagnait police qui affectait dans le commissariat fort, au président lui-même, il a regardé dans quelle mesure il est capable de repousser le groupe civil armé qui a tenté d'envahir la capitale. Là. C'est comme ça la situation. Mais on a parlé ensemble, voilà, c'est chaque monde qui a essayé de rentrer la caillou, plus le monde qui n'a pas le palais national, là, c'est policiers ensemble avec quelques confrères journalistes qui nous ont dit, avec quelques machins qui a regardé pour voir qui gens sont capables de chercher direction la caillou, avec le monde qui est de l'autre direction, commune qui a fait, qui n'a pas qu'au cas de machine pour aller la caillou. C'est comme ça. Mais selon l'information que nous-mêmes, nous sommes capables de vérifier, nous voulons faire connaître au niveau des Delma, tout, gagner et groupe civil armé, même tout, qui a attaqué le bâtiment qui a touché et Simo, qui s'est. Unité en disant la police, marcheur Olivier Jean. Mais il faut nous dire que depuis le 29 février, il y a une grosse menace qui planait sous commissariat au Prince, ensemble avec le Palais National. Pour attaquer aujourd'hui, nous pas qu'à dire, même si l'intention que M. Yo a fait attaque là, même sauf que nous avons dit, c'est coup de balle qui a acheté dans toute direction au Palais National, le moment où on a parlé ensemble avec la Jacques Olivier. Et Massado, est-ce que dans le coup de balle ça a capturé, est-ce que il y a un monde qui est victime, ou bien un monde qui t'a blessé, ou bien un monde qui t'a mouru, ou bien qui en sait, est-ce que il y a un incident? Sujet par Jacques Nébelizé, moi qui arrive identifier un jeune garçon qui prend une cartouche dans le pied, ou derrière la police, gagne un agent police qui a été balayé premier soin pour être capable de prendre direction. L'hôpital, même des chers confrères, même tout qui dit nous, il arrive à compter l'autre monde qui blessait tout et en bas de balle. Donc c'était toute qualité de balle, on est capable de faire des noms, on a parlé là, on a là. Vous savez, c'est toute balle qui a choqué là, c'est tout. Qualité balle qui a tiré dans mon moment là la télévision maintenant c'est le médecin massacre complètement déserté à part des quelques agents IDMO ensemble avec police qui a affecté dans sous commissariat et dans le commissariat de Port-au-Prince qui a cherché pour ouais qui genre est capable de repousser les groupes civils armés surtout dans notre sud capitale là qui a avancé à grands pas sous commissariat de Port-au-Prince. C'est pour ça situation de la télévision. C'est comme ça la situation, c'est toute unité dans la police, même qui est obligé de mettre pied au terre pour ouais qui genre est capable de contrôler. Je suis capable de contrôler la situation, Jacques Mélivier. Merci Massado. Massado Villemay, c'est correspondant service que là, n'importe où, nous sommes capables de coup de balio capturé dans zone Champ de Mars, tout près Palais National, côté d'après ça, Massado Villemay dit nous. Et bien, il y a toute unité police nationale là qui est même en action pour être capable de reprendre contrôle totalement capital là. Et puis devant violence ça, dans la région métropolitaine surtout, il y a un gouvernement qui décide lui-même prolonger couvre-feu à sortir 7h du soir pour arriver 6h du matin jusqu'à samedi. Yves Manuel, c'est correspondant nous, n'importe où.
Gouvernement haïtien étend couvre-feu dans le département l'Ouest qui est la donne capitale pays d'Haïti Port-au-Prince jusqu'à samedi de 7h dans l'après-midi pour 6h du matin en raison de niveau violence là qui très élevé. Force l'audio, pompiers, ambulanciers, personnel médical et journalistes qui identifié exempté de mésissa. Toute manifestation publique interdit la journée tant qu'en nuit dans le département l'Ouest. Agent police nationale yo, yo gagné pour responsabilité fait appliquer couvre-feu et arrêter tout silayo qui pas respecté, une façon pour établir l'ordre à reprendre contrôle situation. Depuis mois février que saute passé là, violence la vin pi grave dans le pays d'Haïti, notamment dans Port-au-Prince, côté gang Améo contrôlé à plus de 80%. Diverses attaques dans plusieurs quartiers participent répétées. Population en tête collée avec la police lancé une opération pour chasser bandits, ce qui aboutit pendant journée mercredi à la mort 4 bandits parmi eux, chef gang Pétionville. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves-Manuel. Devant situation ça qui très compliquée, très catastrophique dans le pays d'Haïti, et bien, il y a en pile mesure que la République dominicaine prend sous frontière et il fait déportation massive. Et il y a des gens qui sont haïtiens qui sont en République dominicaine qui eux-mêmes pas tant que poussés par la force, mais eux-mêmes prennent décision et y aller pour compte. Et nous avons un envoyé spécial, nous, Jean-Robert Philippe, lui-même qui a fait un tour dans la République dominicaine, qui rencontrait tout avec des entrepreneurs haïtiens qui trouvaient au sous-sol dominicain, qui eux-mêmes t'a préféré que yo fait business là caillou dans le pays d'Haïti. Mais malheureusement, situation pas prêtée à ça. Jean-Robert Philippe parlait avec entrepreneur haïtien. Pendant une visite nous avons fait dans Santiago de los Caballeros en République dominicaine, et bien nous avons rencontré avec quelques entrepreneurs haïtiens qui ont dit nous qu'ils ont eux-mêmes vu la situation politique là dans le pays d'Haïti. Un d'entre eux, c'est Roberto Pierre-Paul, un entrepreneur qui a géré un restaurant lié à la Manjaye. Pour lui-même, la crise du pays d'Haïti, c'est le résultat de l'inégalité sociale et économique qui existe dans le pays. Nous avons invité que tout le monde carré comme vous. Peut-être que nous ne connaissons pas si vous parlez avec vous, vous parlez. Peut-être qu'il n'y a pas de réalité ça qui a passé en Haïti. Il n'y a pas de vraie réalité. Parce que la réalité, il faut passer à Haïti, il faut descendre dans le ghetto, il faut passer Cité Soleil, il faut passer Delma 2, il faut passer La Saline, il faut passer une série de côté pour comprendre. Ça qui éclate là, ce n'est pas Jodi Ali là. Son mari qui a bougeonné là, bougeonné. Mais même tout bien, Haïti, comme elle a donné, il y a des fois tout, soit ouais, ce n'est pas salié. Nous avons parlé avec deux frères jumeaux qui travaillent dans le secteur immobilier. Entendez, il y en a pris l'autre. Leader Love, Edouard Constant, avec Frel, Leader Lee, Edouard Constant, et tous les deux, dis-nous, c'est avec tristesse qu'il y a vivre depuis la République dominicaine, situation pays d'Haïti à traverser. Solution, ce n'est pas les mon apprend décision. Ou ça me le dit là, non, solution, c'est là comme si vous sentiez le peuple conscient. Puis jusqu'à présent, avec tout respect et franchise, pour moi-même, peuple haïtien, pas encore conscient. Parce que à chaque fois, on mouvement politique, à chaque fois, on décision, ce n'est pas vraiment le peuple qui prend, c'est le monde qui prend décision pour lui. Même que nous, ces domaines-là, on fait business. Mais à force que même si on va la dictée, tout comme ça, on va gagner plein pour la Haïti, qu'on y a, non, mais il suffit pourtant de le faire, on s'en prison. Pour moi, ça me dit là, c'est un bagage comme si on t'a aimé, que n'importe qui a gardé, que nous, pas n'importe qui, on commence à agir. N'importe parole, même si par exemple, ou d'avoir 3-4 followers, même si pas vraiment plus de monde qui mais vous comptez pour chaque, vous comptez en pile, faut qu'on parle, faut qu'on écrit, faut qu'on dise bagarre, parce que n'importe ça ou dit, qu'a changé mentalité monde qui est entourage. Effectivement, gens se tendent là, des immigrants sérieux, ils manifestent espoir que un jour ils sont capables de retourner en Haïti. Ils disent que l'argent qu'ils ont investi en République dominicaine, ils étaient capables d'investir dans le pays d'Haïti, mais ils posent une condition, que condition sécurité a amélioré. Depuis Santo Domingo, République dominicaine, Jean-Robert Philippe, VOA Creole. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, c'est envoyé service spécial, service créole là, en République dominicaine. Donc, dossier Haïti à tout partout, notamment par exemple dans les Nations Unies, côté Conseil de sécurité, lui-même, lui réitéré, bon, j'en soutien pour un processus politique que Haïtiens ont dirigé et ont exhorté toute partie concernée dans le pays d'Haïti pour continuer à favoriser un consensus qui large en pile grâce à un dialogue qui permet de monde qui entre tout le monde là-dedans, notamment avec soutien CARICOM, avec groupe intégré Nations Unies, tant que BINI. Bureau en Haïti, on a parlé bureau intégré Nations Unies, et bien, il doit permettre organisation élection législative et présidentielle libre et équitable avec participation pleine et égale, significative pour toute femme avec jeunes. Donc, l'autre fois encore, c'est l'organisation mondiale, là, on a parlé de Nations Unies, qui lui même réitérer soutien en faveur d'un processus dans le pays d'Haïti qui est capable de déboucher sous élection juste, honnête et démocratique. Et puis dans New York même, toujours dans New York, magistrat à New York, là, Eric Adams, avec révérend Al Sharpton, ils ont lancé un appel pressant by Washington en faveur Haïti. Valérie Saint-Louis trouvé dans New York. Révérend Al Sharpton avec magistrat ville New York là Eric Adams t'a fait une conférence pour la presse accompagné avec quelques leaders religieux dans la communauté haïtienne avec l'autre communauté dans New York pour demander les États-Unis pour faire plus d'efforts toujours pour aborder situation crise humanitaire en Haïti. Nous rassemblons ensemble avec quelques gros leaders religieux dans la communauté noire, particulièrement dans la communauté haïtienne avec l'autre communauté yo. Yo mettez tête ensemble pour faire face à crise humanitaire exorbitante ça qui continue en Haïti. Dans le moment que monde là a fait face à plusieurs autres crises dans Moyen-Orient avec dans Ukraine, dans hémisphère pas noir, il y a un règne latéré qui pas adressé dans façon nous senti que le ta doit adresser. In the way that we feel it should be. Dans discours, révérend Al Sharpton a abordé question trafic d'armes en Haïti ensemble avec déploiement force MSS là.
There is reports that gun trafficking from Florida is providing arms for the gang. Il y a un rapport qui sorti qui montre que trafic d'armes a sorti dans l'État Floride pour y rejoindre gang. Il y a une proposition qui fait pour pays Kenya pour envoyer 1000 militaires en Haïti pour aider à stabiliser la situation. Il y a quelques républicains qui bloquent financement proposition ça. Le comité Affaires étrangères congrès, l'agence ça a dû débloquer immédiatement. C'est comme ça Al Sharpton t'a parlé. N'a rappelé que dans commencement mois ça, gang armé qui vient augmenter pouvoir dans dernière année ça yo, t'a profité absence premier ministre Ariel Henry pour faire plus violence attaquer infrastructure qui la donne commissariat la police avec bureau gouvernement yo. En bas pression internationale, Ariel Henry t'a bloqué dans Porto Rico, il pas qu'à retourner en Haïti. Et Ariel Henry qui pat élu, t'a annoncé démission li en attendant nomination du conseil présidentiel et remplacement li par un autre premier ministre provisoire. Mais conseil présidentiel là presque fin nommé. On sa tout présence internationale en Haïti baissé pendant que insécurité a monté. Bon côté pas le magistrat Eric Adams t'a parlé pour dire conflit captain mais en Haïti, c'est un gros problème tout pour ville New York là. This is very much a New York issue and it is an issue for the entire national government because ça c'est un gros problème tout pour New York et puis c'est un problème pour tout gouvernement national là parce que ça c'est hémisphère pas noir. L'important en pile que nous fait face à problème ça dans Gaza et fait face avec problème dans l'Ukraine, avec tout quelques autres guerres qui ont fait sous scène mondiale noire. Mais ça, c'est dans la cour noire. C'est dans la cour noire ça a passé. Et en pile dans les résidents Haïti, ils sont dans la ville New York, Miami, avec l'autre côté dans l'Amérique là. Et il est impératif pour nous gagner une réponse immédiate à la crise ça. Nations Unies, ambassade américaine et canadienne, ils ont déjà retiré employés en Haïti, moi ça. Pendant le week-end, la République Dominicaine, qui partage les îles espagnoles avec Haïti, a évacué plusieurs douzaines de citoyens liés par hélicoptère. N'a pas rappelé tout que environ 17 000 personnes ont quitté la zone métropolitaine Port-au-Prince la semaine passée. Après estimation Nations Unies, en pile, ils ont déjà déplacé. Pays voisins ont été obligés de renforcer frontières et plan pour une intervention internationale que le gouvernement Haïti a demandé. Dans l'année 2022, que les Nations Unies ont ratifié, ça fait presque 6 mois. Jusqu'à présent, il y a un retard à la donne. Révérend Al Sharpton a dit que pour monter dans la Maison Blanche pour parler avec quelques responsables sous situation pays d'Haïti. Non pas mis des communautés haïtiennes qui ont participé dans la conférence pour la presse, nous avons remarqué la présence pasteur Leslie Thomas, avec toute présence docteur révérend pasteur Sam Nicolas de Evangelical Crusade Christian Church qui est en Brooklyn. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Nous avons quitté New York et nous parlons de Nairobi, donc dans le pays Kenya, pour nous capables de gagner une idée sur qui est la population pays Kenya, avec autorité autour, qui est la question force qui est pour déployer dans le pays d'Haïti. Sandra Lemaire, gagne détail. Citoyen Nairobi très passionné par rapport à la possibilité pour Kenya d'envoyer policiers en Haïti. Pour qui n'envoyer la police ou les militaires pour un bagage comme ça? C'est question PAM. That's my question. It does nothing. Ça pas fait rien parce que n'a pas dit mon nous remet. Kenya a pas le pouvoir tant qu'on pays tant qu'aux États-Unis. I think that's a noble idea. Nous quoi c'est une idée noble parce que nous tous ces chrétiens vivants, mais nous n'a plein pour processus là. The procedure which has been used, we should urge the government of the day. Nous devons encourager le gouvernement au moins respecter la décision du tribunal. Président William Ruto, qui signe un accord bilatéral depuis longtemps avec le premier ministre haïtien Ariel Henry pour paver chemin pour déploiement 1000 policiers kenyans, insiste qu'il prend bonne décision. Force là que l'ONU a appuyé à aider Haïti rétablir la sécurité. It is a mission. C'est une mission pour l'humanité. C'est une mission en solidarité avec frères et sœurs en Haïti. Cependant, après signature à Koa, il y a eu un gros affrontement entre la police nationale Haïti et gang qui a empêché Henry de retourner dans le pays. Il a été éventuellement poussé deux premiers ministres là pour le bail démission aussitôt que le conseil transition présidentielle là va en place. Avocat Ekuru Okot, c'est le même groupe qui a déposé une pétition devant la Cour supérieure Kenya pour dire déploiement policier yo pas constitutionnel. First of all, it's a bogus agreement. Premièrement, c'est un faux accord parce que il n'y a pas aucune légitimité légale ni représentation. Pour Ariel Henry signer un contrat, il faut qu'il ait capacité pour signer un contrat. Il y a un autre problème tout par rapport à ces missions pour être capable d'avancer à cause de toute demande légale qui peut qu'on finisse satisfait. Le Jovenel Moïse est mort en 2021. Henry était supposé diriger le pays pendant 120 jours. Pour le prendre le premier ministre, d'après la Constitution Haïti, il faut qu'il ratifie, vérifie et puis recevoir approbation par le Parlement. Ça n'a pas de jambe faite. Donc, question 1, c'est qui est-ce qui signe un contrat en réalité avec République Kenya? Consultant sur sécurité George Musamali dit faut que Kenya repense la question Haïti. Ça, on ne peut comprendre ces raisons pour turbulence là. Songez, nous avons commencé à parler de problèmes en Haïti en 1805, après déclaration indépendance. Jusqu'à présent, Haïti pour que j'aime la paix et puis solution à proposer. Est-ce que y a un résultat? So basically, the solutions that we've been putting on the table, are they working? Qu'il y a plusieurs interventions étrangères que États-Unis et l'ONU fait qui pas bail bon résultat. L'île pour essayer un bagage nouveau, monsieur dit. What they are going to do is to deal with the same people we call gangs. En général, ça y a essayé faire, c'est négocier avec même monnayer les gangs que intervention américaine 1815 t'a essayé sans résultat. Nous essayons encore en 1994, ça pas marché. Nous essayons encore en ballonu en 2004, ça pas marché non plus tout. Dans le moment côté actes violence gangs a créé une situation chaotique en Haïti, Moussoumali dit il est difficile pour eux qui genre intervention militaire ou policière pour le bail résultat. Reportage Mariama Diallo, Nairobi, Kenya. Traduction Sandra Lemaire, VOA Creole.
Et puis dans l'actualité internationale, là, il y a un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a fait un voyage, sixième voyage dans la région Moyen-Orient. Il est déjà passé en Arabie Saoudite, jeudi il était en Égypte et demain là, en Israël, avec objectif, deux objectifs précis, joignons et cesser le feu. Et puis deuxièmement, joindre et libération otages qui n'en met les militants Hamasio non. Palestine et qu'on y a nous parlé dans le département de notre pays, à côté de rejoindre Gérard Maxino qui a parlé de Bahamas qui refoulé et un paquet de monde qui a essayé d'entrer illégalement dans Bahamas, mais dans conditions très difficiles. On a loué ça. Malgré la trouble qui gagne dans le pays d'Haïti, Gardecôte Bahamien, vous retournez mercredi 20 mars 2024, il y a un total de 264 compatriotes qui ont été quittés sous la mer. Rapatrié, expliqué, ils ont débarqué pour des paix. Semaine qui s'est passée. Alors, nous sommes sur port de Paix, nous avons embarqué dans des routes, nous avons été environ 42 000, nous avons embarqué dans des routes. Pendant que nous sommes arrivés dans le Bahamas, c'est comme ça. Et l'immigration est arrivée, 15 000, nous sommes arrivés pendant nous. Et le salaire est rentré avec nous. Et nous avons vu que le scénario est passé de côté. Et bien, nous avons été obligés de faire nos avions, et personnellement, des avions, avec pas mal de 16 mois, et puis on arrive dans une zone qui nous est venue à voir. Ont déclaré ces situations malouques que pays ont trouvé là-dedans là, qui fait y a le risque de vie dans la mer. Presque toute rapatrié dénoncé mauvais traitement yo sibi nan men autorité Bahamas yo à ta même femme yo t'arrivé violé pendant yo était dans prison. Nous y veut qui est ce monde cap mal tirer nous bon nous calotte coup de pied frapper nous à terre bon gain même 10 moun nous pas jamais pour connia pile coup craser nous en pile la fini nous maltraiter tellement maltraiter nous pas faire tout ça pour nous pas nous dormir après venir nous bon nous frapper nous notre côté lever nous frapper à terre nous pas tant bien dormir nous mettre nous dormir à terre sans nous pas gain pas nous dormir nous mettre nous dormir sur là si pifon rapatrier dit yo pas pour faire expérience ça encore gain ça qui poser tête aux questions ça yo pas le faire dans pays d'Haïti Cavale, sofi tom ka. Ase la, ou pa gen yon pa benefisye la kayou, ou participe kayou anyen. Movi nou pa gen anyen. Chak rapatriye resevwa yon enveloppe nan men OIM pou kapab tounen la kayou. Moun te kapab remake plusieurs proches rapatriye yo ki te vin chèche yo nan base Gardecôte au Cap la. Gérard Maxino, Cap Haïtien pou la Voix d'Amérique. Et puis qu'on y a actualité à peine dans le pays Brésil côté ancien président Jair Bolsonaro qui a un problème avec la justice mais il était très populaire dans pays Brésil, Serge Rodriguez. Ancien président brésilien Jair Bolsonaro a marché Jean Vlé et Jean Pipito dans le Brésil, malgré l'autorité dans la nation plus peuplée Amérique du Sud, la suspecte comme quoi l'État a été trempé dans un projet coup d'État. Bien que l'ancien président Bago menace, il n'y a pas d'apparence un politicien qui parie pour le bas. Pour bien dire, l'autorité brésilienne, bien capable d'inculper champion Zé à l'extrême droite 69 ans ou bien poser arrestation ligne n'importe qui l'est. Plusieurs anciens chefs dans l'armée Brésil là baillent des positions qui longent droit sur M. Bolsonaro, comme quoi l'État impliqué dans un complot pour qu'il y ait le pouvoir après défaite d'une élection 2022, élection qui était mettée face pour face à candidat gauchiste Luiz Inácio Lula da Silva. M. Bolsonaro a rejeté l'accusation sérieuse catégoriquement, accusation qui est considérée comme une persécution politique. Bien entendu, le Brésil a parié pour l'organiser l'élection municipale avant longtemps, et drôle de coïncidence, c'est seulement 3 points qui séparent à président en fonction Lula da Silva. En tout cas, ancien capitaine de l'armée 69 ans, toujours été un symbole pour citoyens qui sentit que l'élite politique l'a pas représenté, d'après analyse politique Mayra Goulad. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez. L'autre information que nous portons pour, eh bien, nous aller directement dans l'international football brésilien. Eh bien, brésilien, c'est là qui c'est Robson de Sousa, lui-même qui gagne alias non li qui c'est Robinho qui en pile nèg connaît qui comprendait à faire football là et bien des fanatiques Brésil ou même capable Argentine tout et bien wap connaît ancien joueur ça lui-même qui c'est un ancien footballeur brésilien qui était même joué dans Real Madrid et bien il s'est arrivé condamné pour passer 9 ans en prison pour dossier viol ancien attaquant Seleção lui-même li arrêté dans ville Santos au Brésil hier jeudi qui s'est passé là et bien côté lui-même li arrivé yo a metté monsieur dans dossier qui gien pour avec dossier viol na il a rappelé monsieur gien pour passer 9 ans en prison là et bien peut-être monsieur lui-même yo est allé comme monsieur te fait viol en Italie pendant monsieur t'a joué football tout dans plusieurs clubs européens pourquoi il est là ancien attaquant brésilien li condamné n'a rappelé tout et bien c'est pas seul brésilien non le cité dans dossier qui gien pour avec dossier viol là n'a prend les cas de Daniel Alves lui-même actuellement là qui fait libérer temporairement dans pays Espagne c'est toujours dans même dossier viol là ça brésilien yo gagne nous pas connaît mais yo souvent accusé yo
dans ça qui gagne pour avec dossier viol dans pays d'Haïti n'a pas connait Sinapoa lui-même li féliciter policier côté Sinapoa voyez yon gros coup de chapeau bay policier yo même pour travail qu'a fait depuis dans mercredi 20 mars 2024 là pour arriver à jeudi 21 mars 2024 là dans commune Pétionville ça qui prouve encore yon gens nous même nous capable nous qu'on a dit là et bien depuis nous joine moyen nous joine liberté et bien la police ka bay solution avec crise ça qui gagne Haïti et bien Sinapoa te continuer dans un tweet li fait sur compte X côté li bat bravo pour tout policier qui pas cramponner devant bandi ou bien qui pas cramponner devant bandi qui rete campé goumé côté la police fait gros coup là et bien pour un pile monde qui te déjà connait li pas un secret depuis la police ta un matériel qui donc nèg exam qui fait vivre ensemble yo pas puissant parce que la police sinon c'est l'ordre souvent c'est l'ordre yo pas jamais recevoir et ben depuis France LB fin perdi kaili ala li gèlè refèt la ga marqué ça ou regarder pour tout attaque nèg exam yo fait sous commissariat pour dernier jour ça là et ben aucun commissariat pas jamais tombé côté la police continue à résister li un message à clair pour tout monde quoi ouais et ben si police la li un bon l'ordre gen bon détermination et ben bandi pas capable faire rien les nous contrôler vivre ensemble qui tellement puissant là nèg yo pou dernier jour sa yo la yo manke fè gros bot jan te kon fè si tout nan commune Pétionville plusieurs bandits tombé n'ap vini avec information sa yo pi devant pou yon l'autre côté tout n'ap fò konnen Guy Philippe parle nous pral fò tande message Guy Philippe la pi devant nan vidéo a nous souhaitons pas aller ou jwenn en pile information nan édition journal sa ke nous pote pou wa mais nous pral fò tande Guy Philippe pi devant qui parle qui voye message pi mambouk by road en pile moun konnen sou internet la la qui toujours a parlé et qui assemblé candidat au sénateur dans pays les États-Unis monsieur qui c'est ancien commandant l'armée dans pays les États-Unis qui toujours a parlé toujours dans dossier et bien insécurité on a faut connait selon journaliste Valérie Numa lui-même il fait connait uniforme que nous ISO 5 secondes qui gagne qui marqué IDVA et bien qui veut dire unité de village de DIA et bien il fait connait que utiliser monsieur a utiliser uniforme ça c'est pas uniforme li voye fait ou bien c'est pas uniforme li te voye acheté à l'étranger Jean qui lui même l'a fait moun connait en a rappelé chef gang Izo c'est un chef gang qui foulaille en pile et bien monsieur a calé l'école avec uniforme si là et bien selon ça Valérie Nima fait connait et bien en pile moun qui te voulait quoi que c'est acheté monsieur d'acheté c'est pas vrai mais c'est plutôt c'est uniforme ISGPN qui te stocké yon côté en dedans yon conteneur et que bandi eux même yo te genyen côté yo gen moun ki aide yo même yo te vin aller avec conteneur si la ki te genyen uniforme IGPN yo bien yo prendre t'assemblé yo modifier la donne et bien yo mette non pa yo et puis y a fait foulay en forme c'est uniforme qui sorti à l'étranger côté nèg y a calé bouda yo là avec nouveau uniforme si la côté y a marché yo fait qu'on est que yo même yo c'est une unité spéciale dans village de Dieu pourquoi il est là faut nèg yo quoi yo bien parce que t'assemblé pour une autre fois la police là lui-même li déterminé Jean Guy Philippe en pile mon a fait qu'on est police nationale non li capable sou non li manke yon lòd pou capable faire bataille là et bien capable ouais police Kenya vin là pa ganyen qui régler de quoi et bien yo même yo te capable goumer pour yo te capable ba nous ça créer sécurité dans pays on a faut connait dans opération yo bien plus passer 10 membres dans gang Tigre là qui t'a dirigé qui yo prend bois calé sorti Delma 60 pour aller bout dans rue panaméricaine dans Pétionville côté cadavre yo même yo cancané yo en bas du fait et bien ça passé entre hier et dia pour l'ouvrir jeudi vendredi qui c'est 22 mars 2024 là là et bien pour Delma activité yo yo rekan yo rekan nan Pétionville là même et bien non plus pa gen rien pa gen gros activité même si population li même la essayer mettre tête li de yo tout petit pour chercher la vie nous déjà connait population haïtienne nan même nous vivre sous mettre tête nous de yo en pile monde c'est ti machine nous c'est mettre tête yo de yo pour yo ça yo capable joine et bien pour qu'on gen gros activité pour moment là après bois calé yo que yo même yo te bail côté activité yo campé sec dans zone si là c'est quelques moun dans population yo même cap essayer mettre tête tête yo dehors pour ouais et bien sorti dans bois calé à sous même gang vite l'homme yo et bien passer dans Brit sous dans Brit Studige et
pour vivre Delma 95 et bien monter dans rue panaméricaine population meté avec la police sous brezengyo et bien et situation ça pas douce même pour monde cap si mais la troublai côté si là n'a pas le vivre ensemble yo te prend confiance peuple là pas trop longtemps là yo te dit yo pral attaquer ministre mais pendant nèg yap dit y a pas attaquer ministre yo t'a libérer kidnapping yo pas quitter zone ça yo peuple là ouais que nèg yo même yo pas bon monde pourquoi il est là la police yon l'autre fois encore li reprend confiance li nan mais peuple haïtien à côté majorité là-dedans yo te vle parti des nèg vivre ensemble malgré peuple là nous déjà son ti jouet lié c'est côté tambour à battre là c'est là la danser côté li joine moun y a fait ça qui avantage li c'est là lié pendant la police déterminé dans Pétionville là et ben peuple là rejoindre yo côté mouvement wakale li recommencer tout l'autre jour là les nèg yo t'ap craser fait des faits là yo te voyé message fait qu'on est yo pral prendre ministre yo pral prendre des dirigeants yo quitter tout dirigeant final et peuple là ouais vrai c'est masse en bas qui a payé et bien tout ça ouais qui a fait là pourquoi il est là peuple là rejoindre police nationale là et bien en pile opération déjà fait là il y a plusieurs bandits qui étaient en wakale aussi tout dans zone qui gagne pour avec Pétionville là bien zone si là li pa douce dit tout là en pile bandi continuer à prendre bois calé gros bravo pour la police si n'a pas féliciter ESPN 17 tout bail la police là bravo pour dernier travail ça yo cap fait dans jour là c'est à féliciter quand même parce que la police nationale là yon l'autre fois encore li déterminé écoutez li sorti de yo là li met tête li de yo yon l'autre fois pour combattre et bien gang yo même cap ravager pays gang yo pas campé faut qu'on mette Paul Pierre li même juge et bien juge instruction dans TPI li même Port-au-Prince et bien li remettre démission de tout nèg te remettre démission d'après ça le fait qu'on est il prend décision si là c'est à cause CSPJ a les même pas jamais fait suite avec décision pour renouveler mandat et puis mesi qui te prend pour couper chèque li avec tout l'autre avantage sous prétexte d'être abandonné poste nèg sérieux pas fait misère dans poste depuis ou son monde sérieux ou travail dans l'état qui donc ou supposé faire tout travail ou avec sincérité et bien fait tout à fond bien ou pas gagner pour faire nèg pour faire ça pas Ariel Henry te gain plusieurs juge là pour te renouveler mandat et bien t'a la loge cause là pour te voir s'il était capable acheter yo pour renouveler grand pile nèg qui pas gain renouveler et gain nèg tout qui était bon dans système judiciaire là pour qu'elle là y a tant pour gagner une nouvelle stabilité dans pays là pour contrôler pour continuer si tout nèg qui te gain pour louer avec dossier ILCC l'en parler de ILCC ou juge Aldiniel dimanche et bien ou pas capable reprocher monsieur de trop dans dossier qui vient pour avec dossier judiciaire là que monsieur lui-même selon déclaration ou c'est un nèg sérieux et monsieur était déjà metté en bas code cholche sensi et monsieur gagne mandat d'arrestation des plusieurs gros tourbre là malgré la police nationale mais le juge là lui-même il fait ça le terrain pour le faire à côté c'est metté mandat des nèg qui pas correct et bien juge Aldiniel c'est un bon juge pour elle là c'est maître Paul Pierre lui-même qui se juge instruction monsieur remettre démission et bien pour elle la justice là tout la prend gros coup là dans dernier jour ça là pas gain rien qui bon dans pays d'Haïti si tout nous pas gain aucun gouvernement nèg yo là y a dodo meya avec dossier caricom dans que nous va jeune pour plus devant là environ 33 000 monde qui était Port-au-Prince pour eux même y aller dans ville province yo. D'après ça, un rapport OIM mette de yo, et bien, a jeudi qui était 21 mars 2024 là, dans l'espace de semaines sous 8 mars pour arriver septembre 20 mars 2024 là, et bien, en pile moun a quitté capitale là pour aller prendre refuge dans zone sud pays à majorité aller là-dedans yo. Majorité dans moun sa yo même yo prend direction au Kay Léogane Jérémy d'après sa organisation OIM nan li même cap travail nan domaine migration population et bien si pa gen aucun mezi ki ta pran pou yo atann yo nan jou k'ap vini la yo et bien plis moun ap toujou kite capital la yon façon pou yal pran refuge nan l'autre zone et bien nan sid sepman gen environ 33 000 moun ki kite capital la ki pran direction sid nan praplo gen sid gen sant gen nord malgré zone nord yo tout noti jan bay problème là pour nèg yo sorti pour ta passer dans zone nord yo faut passer dans zone qui gen pour avec mon cabrit pour ta passer par centre ou bien pour ta passer par titan hein route qui semblait pour quoi li là qui pour gen trop bon habilité parce que nèg yo pour lâcher vous mais n'a pas blou après chef gang Ezekiel li même li ta sorti dans prison et bien rentre ici là li pas même jan té avant côté chef bout de bat contrôler la date assemblée ici jwenn yo en tête pour moun yo tourner la caillou et bien pourquoi li là bagaille là li non ti jan miyo et pas bon nom le miyo pour moun ka fou fey
qui t'a couru qui t'a gétan couru qui t'a caillou moun Mariani yo et bien t'assemblé Ezekiel les mêmes li poté yon ti fruit ou bien li poté yon ti vent qui t'a soufflé qui bon pour moun sa yo là. Dans l'autre information que n'a porté pour vous, eh bien selon Guy Philippe, Guy Philippe prend un bon coup là. Là n'a regardé Guy Philippe qui a parlé, il prend un bon coup, même il s'est démontré que c'est un vrai soldat lié parce que bon pile monde Guy Philippe c'est un vrai soldat depuis loin, depuis où elle pas chame chita collé tête là avec Maurice Jean-Charles. Dans Jean-Maurice Jean-Charles là, pas gain monde qui dit si Guy Philippe t'en a collé avec Maurice Jean-Charles, il pas ta cap assassiner. Raison qui fait nous dit assassiner, c'est dans forme Moïse Jean-Charles lui-même l'a fonctionné. Nous déjà ouais forme ou de pour ces traites et bien on va gagner on pas faire Moïse Jean-Charles la boumer. Nous va l'installer Guy Philippe, nous va l'installer Guy Philippe. Dans après-midi Moïse Jean-Charles l'a voyer papier, l'a bailler annonce, l'a bailler parole de CARICOM, l'a voyer dossier a été loin et puis Guy Philippe c'est lui-même qui était victime parce que Moïse Jean-Charles était qui t'en route, il t'a prend parce qu'on est pas arrêté de 30 de 3 4 temps et bien on va gagner rentrer dans tête pour faire son plan qui pour t'a planifié bien de tranquillité et bien Guy Philippe sorti en bas Moïse Jean-Charles côté nous va le fort de déclaration Guy Philippe là nous allons inviter au temps de côté Guy Philippe t'a parlé lui-même il t'a bail tout détail de Rod Joseph tout Rod Joseph t'a semblé qui t'a parlé avec elle et bien qui t'a fait partie moun dans équipe li même avec Guy Philippe et bien t'a semblé Rod Joseph c'est lui qui t'a prend devant parler expliquer de qui ça ou bien qui Jean qui Jean Moïse Jean-Charles fait connait que même pour quitter côté même conversation nèg yo prend la rue là et puis pendant n'a fait Guy Philippe parler n'a montou quelque dans conversation Guy Philippe lui-même li t'a assemblé t'a gagné avec Rod Joseph et bien dans même dossier côté Moïse Jean-Charles lui-même li t'a trahi et n'a pas connait tout Guy Philippe continuer paraître un bon soldat pour peuple là pile moun ouais mais c'est pas un nèg qui t'a vendre s'il t'a vendre Ariel t'a qui t'a acheté et dans dossier carré comme dans la malgré Jean ça aimé monsieur démontré nous pas croire dans politicien dans dernier les ça là pas aucun politicien monde pas faire confiance parce que tout politicien depuis sous ça moi fait là politicien pas bail à quoi monde pas rien pas croire dans nèg ça mais Guy Philippe quand même lui montrer côté le cas un petit crédit à dans mes peuple haïtien nous pas faut entendre Guy Philippe n'a retourné bonjour bonsoir tout le monde semaine ça yo mouvement en pile dans histoire du pays là. Je suis venu là pour me dire non. J'aime dire toujours dire non. La bataille contre le système. La bataille n'est pas facile. La bataille est dure. C'est quand même 220 ans depuis que le système ça a ravagé, pillé, volé. 53 siècles d'esclavage. Le système n'a pas de force. Il y a de l'argent, il y a des âmes et le criminel. C'est pas par hasard où la semaine dernière, là, vous faites passer des choses comme vous avez. Là, ils ont pillé, dévalisé en bon pays, crasé Pétionville, crasé à Opelrin, la boule. Ils ont organisé tout désordre pour faire peuple la peur. Pour la société a ouvert bras, pas qu'à commander, s'il vous plaît, venez de eux. Et accepter l'intervention étrangère là, c'est pour son délivrance. C'était toujours comme ça qu'on fait. Il n'y a pas de jambes, l'autre stratégie. Panico, faire peur. Il faut accepter ce pas supposé accepter. Question CARICOM, c'est un désordre lié. 7 représentants. Ça veut dire 7 cortèges. Et si vous avez un petit, chaque petit un cortège. Pour payer, pour dépenser, pour bailler machine. Pour dépenser ça que l'État va gagner. Ça que tu cavalé pour aider tout le monde, grand monde, dans l'hôpital, dans l'université, dans l'agriculture, dans le réseau électrique. Non. Donc c'est comme ça, ça y est. Question CARICOM, non. Regardez qui est-ce qu'il a dans. Représentant Lavalas, PHTK, Ariel Henry, SDP. Donc tout le monde qui contribue à craser le pays d'Haïti depuis les derniers 30 ans, vous mettez tout ensemble pour faire une belle équipe là, pour venir dévorer nous. Pour qui ça? Qui ça gagne Haïti que nous ne connaissons? Qui ça va chercher? Moi, je viens de dire non. Il faut que nous continuions à mobiliser, faut que nous continuions à batailler, pour nous joindre Haïti que nous cherchons. Pas de jambes de monde qui te dit son bataille qui est facile, mais il faut que nous haïtiens vlétant, il faut que nous haïtiens qui sont conséquents, qui croient dans ce qu'on dit. Hier, moi entendais un haïtien qui fait parler en pile de lui, qui a parlé, c'est Rod Joseph. Qui a expliqué comment Moïse Jean-Charles, sénateur Moïse Jean-Charles, fait arriver à notre carrière. Je dis non, peuple haïtien. Premièrement, pas de jambes de aucune discussion entre moi-même avec le sénateur Maurice Jean-Charles autour de questions CARICOM.
m'pa jamais mettre ça dans tête moi, m'pa jamais penser ça. Monsieur Rod Joseph c'est lui qui relément premier. Pour lui dire ah sénateur, nous perdu bataille là. Bon, même comprendre ça veut dire là. Oui que la Russie dit li pap aider Haïti si acteurs haïtiens yo pas rentrer dans solution CARICOM là. On dit m'pa comprendre. Comment la Russie fait abdi on bagaille comme ça. Il dit oui, c'est comme ça lié, nous fait 4 jours ensemble avec ambassadeur russe des Nations Unies, c'est ça le dit. Ou bien il a imposé nous un embargo ensemble avec les Américains, ensemble avec tout l'autre pays. Moi dit bon, c'est monsieur Wood Joseph. Haïti déjà en embargo, ou pas garder peuple moyen, garder gens la vivre. Si ça ça va changer. Alors on peuple qui voulait prendre destin en main, donc c'est comme ça la Russie, États-Unis, la France dit que on va imposer un embargo parce que peuple là pas voulait prendre bagarre qui pas bon. Moi bah l'exemple. Excusez-moi de gagner en coupure. Donc peuple haïtien n'a besoin de route non. Il m'a dit sénateur Wood que ça va garder. Yo voulait imposer un embargo que imposer puisque nous en bas embargo déjà. Parce que là aussi pas capable de l'ordre ni pas aucun monde l'ordre pour faire telle route. Ça c'est haïtien qui vous prend décision au côté vous voulez faire. Moi connais que nous pas capable vivre en vase clos. Moi connais que nous besoin amis, nous besoin pays qui ensemble avec nous. Mais pays qui a traité avec dignité. Nous pas sortir en bas impérialiste américain pour nous tomber en bas impérialiste russe. Nous pas gagne l'ordre comme ça pour nous. Ni dans la Russie, ni dans les États-Unis d'ailleurs. C'est des positions. Ils ont continué quoi là-dedans. Bataille qu'a fait là c'est pas pour nous servir la Russie, c'est pas pour nous servir les États-Unis. Yo voyons un message pour moi. Côté soi-disant ministre des Affaires étrangères russe, vous dit camarade mettez barre vous moi gagne ou là, m'a voye m'a voye sur tout réseau pour nous à partir de qui ça. Nèg yo monter tout ça au faire là pour écraser bataille peuple là. Parce que en fin de compte, malgré a fait des attaques baïkari comme yo, yo connaît que population pas d'accord, que la diaspora, que en Haïti. Kounya au passé dans bagaille intimidation. Et vous voyez message là, moi même moi étudié en Amérique latine, moi gagne zanmi, moi relé, les amis me dit c'est pas vrai, son message faux. Rapidement yo joine yo démontrer qu'il faux. Que me voyez rapidement by Wood Joseph. Que me voyez rapidement tout by l'autre ami. Moi, pas jamais dit que nous avons contact avec la Russie. Nous n'avons contact avec aucun monde. Seul contact, moi, je toujours dit, privilégié, c'est avec le peuple. Si un monde veut le côté ambassadeur, côté santé, quel que soit pays, je suis prêt pour me parler. Je suis prêt pour me parler avec tout le monde, quelle que soit nationalité, quel que soit haïtien, tout. Je suis prêt pour me. Mais ça nous met dans la tête, nous. Objectif final, nous. Qui c'est bien-être peuple haïtien, nous ne pouvons pas négocier ça. Donc, sénateur Wood, c'est où qui vient demander pour m'abandonner la bataille peuple là. Pour m'accepter des autres qui ont fait là, parce que la Russie dit qu'elle a imposé nos embargos ensemble avec les États-Unis, ensemble avec la France. C'est où qui dit que nous faisons 4 jours avec eux. Et c'est où qui demande ça. Mais pour quelle raison tout le monde parle en ça. Parce que je ne pas accepter. Parce que je ne suis pas d'accord, parce que je me dis, je suis qu'un peu sous position, je te promets peuple en bagage, je vais aller jusqu'au bout. Est-ce que ça, c'est parce que je suis égo? Mais gardez peuple haïtien, gardez l'état de vivre, gardez les conditions nous. Pour nous, ouais, si nous sommes continuer à appuyer un système comme ça, et on mascarade pour ça, bagage carré comme fait, sept nègres, sept bagages, on va rendre côté au sorti, sans aucune légitimité populaire, pour qui nous travaillons, ce n'est pas pour peuple haïtien, ce n'est pas non peuple haïtien, côté au sorti. Ok. Donc, oui. Ok. Mais je vais monter encore. Donc tout le monde m'a dit non. Pas occuper le monde, qui a essayé de démobiliser, qui a essayé d'écraser le peuple là. C'est nous qui avons un bon chemin. Chemin difficile, li long, mais c'est ce pour nous faire. Pour Haïti, pour petit monde. C'est seul conseil qui a en Haïti qui pille juste là. Côté monde, respecte le monde. Côté monde qui a avec dignité. C'est dommage qu'il y ait qui vendent tête, il y a des gens qui vendent tête, il y a des femmes qui vendent tête. Sachant bien que Barakai comme n'a pas aller aucun côté. Il n'a pas aller aucun côté. Sachant bien que blanc qui a imposé la CEB a fait pas le divine régler parce qu'il connaît et l'oblige. Si un pour blanc, pour militaire étranger rentrer dans le pays. Et une fois qu'il rentre dans le pays, la police n'a pas pris encore. La médaille n'a pas pris encore. Même les CEO qui a aidé le système et imposé ça a imposé. Tout le monde peut prendre dictée. Si nous avons une réserve, iridium, pétrole, nous l'a toujours été réserve stratégique, gros pays, pendant que le peuple nous a coupé nos misères. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Le, toute menace pas qu'à faire rien, monsieur Rod Joseph, parce que mon cousin, moi, qui vous dit, cousin, ça, vous voulez tout ça, que vous dites, il y a pas assassiné, il y a tué, je ne suis pas d'accord. Et même moi, je dis, c'est comme ça pour mourir, que mourir.
Donc c'est ça, c'est réalité, c'est vérité. Et j'ai toute conversation sur téléphone moi, et j'ai tout message sur téléphone moi. Jean que vous t'a écouté là là, et bien c'est déclaration ça Guy Philippe t'a fait. Jodi à la même après bonne parlant pile ça après trahison on était capable dit ou bien après coupe ça Moïse Jean-Charles lui-même qu'il fait sur Guy Philippe sans attendre et pour un pile monde yo jeune c'est un coup traite pour monde tout yo jeune c'était un plan qui était bien monté côté Guy Philippe lui-même il t'apparaît comme innocent parce qu'il pas connait ou bien s'il te croit dans Moïse Jean-Charles avec 100% qui donc lui-même li pote qu'on est avec qui est dit en affaire là côté Moïse Tabdil en aller nous pral installer n'a fait ceci n'a fait cela et bien Moïse en écrité s'étendé li prend dans un gros coup là Moïse font l'autre coup de vitesse et puis s'étendé à Moïse la Guy Philippe n'a couri li voyer mon ni lui-même nan moun k ap gen pou yo participer nan dossier CARICOM ke li même li tap parler mal nan plusieurs jours qui sont passés là. Nou pral fon coup de pied nan pays Taïwan. Et bien ap fò konnen Taïwan annonce ke li détecté pou pipiti 36 avions militaires chinois aux alentours zile ya. Et bien nan dernier 24 temps qui sont passés là yo là. N'a parlé de bagay ki passé pendant hier soir pou vinn matin. C'est ministère défense Taïwan nan li même qui annonce nouvelle si là. Et bien hier jeudi, bien responsable là li même li te dit c'est plus gros déploiement qui fait dans zone là pour année si là n'a noté la Chine toujours considérer Taïwan comme territoire par lui même li gagne n'a rappelé Taïwan tout lui même qui fait gagner président dans là qui fait démissionner est-ce que c'est à un moment pour la Chine lui même li ta rentrer à toute force pour l'occuper Taïwan nous poko là mais ça qui parler ministère défense pays Taïwan nan li fait konnen ke eh bien gen environ 36 avions militaires chinois yo même kap passer nan zone 24 dans là eh bien nan route ou bien nan zile ki gen Taïwan ki an dan quoi li la pays yo ta assemblé majorité pays déjà levé campé là et eh bien y a bataille youn ak lòt de pou sa li pa manke pi bon signe ke ça parce qu'il semblé c'est guerre ki anvi pété Miwale n'a pas connait la commune Miwale et bien gagne un gros drame qui fait là Miwale ravine citron et un drame ça qui gagne deux monde qui boulet tout vivant qui donc Mireille Xavier yon marchand gaz li même boulet en dans la caille avec petite Fili qui relé Beverly Xavier et bien hier après-midi qui était passé à là et bien hier après-midi qui était 21 mars 2024 là ça passé tout près les relais ravine citron Mireille lui-même c'est un marchand qui te vend gasoline et bien lui à peine rentré en dedans la caille il gagne deux petites avec dans caille là et bien petit garçon lui-même il était allé l'école petit fille lui-même il t'a fait manger en dedans caille là et bien expliquer un autre locataire avec l'eau dans zier côté lui-même qui louait une partie dans même caille ici là que Mireille lui-même il était rété cependant il t'a fait manger et bien bonbon là lui-même il explosé te gain gasoline qui était stocké en dedans caille là et bien qui t'a pas fait tout dégâts ça yo sortant de là et bien bonbon explosé gasoline te déjà là bonbon qui déjà un gaz qui déjà puissant immédiatement l'explosé l'a fait dégâts et bien il vient rencontrer avec gasoline et bien sortant de là caille après du feu et bien c'est ça et un autre voisin qui regrette ça qui passé à lui-même il t'a raconté Mireille sorti Port-au-Prince et bien lui-même il gagne deux petits tous les deux de l'école dans Abel Maïm Mireille était couru pour insécurité et bien couru pour insécurité sorti Port-au-Prince et bien il était venu habiter dans zone Bayas côté Pac Laé dans Miwale une dans Bel Pac Maté il était créé et bien avant il était venu rester ravine citron Beverly lui-même pas décidé aller l'école jodi jour ça là qui c'était hier et bien depuis hier dans matin Beverly t'a fait nettoyage et puis il t'a fait manger c'est comme si lui-même il t'a préparé pour te tendre un bagage selon ça madame Jacques Bellis lui-même il fait quoi et bien Jacques Bellis c'est propriétaire qui pas capable que mettre l'eau dans zili et bien il te vienne bail quelques explications et bien li vend gaz moi-même moi pachita moi toujours la caille moi commune Baptiste madame moi toujours dit locataire pas mettre gaz en dedans caille là parce que li pa jamais tendez li pa jamais moi et bien li te kon mettre gaz là et bien Jacques regrette bel baliste moun Baptiste eux-même propriété caille là c'est ça yo expliqué sous Zao FM 99.5 Good, mes amis, on ne veut pas suspendre mouille.
nan mauvais condition nan pays d'Haïti. Bien des moun sa yo mouri la nan yo mauvais condition. N'ap rapèl yo rive mi balè c'est pour insécurité, yo té obligé abandonner capital la yon façon pou yo té capable wè si yo té capable vivre yon vie pi calme nan mi balè. Et bien sont ande ya la madame Mireille arrivé perdi la ville li même avec petite fille li. N'a pas quitté dossier si là pour nous traverser dans ça qui vient pour avec dossier qui bat. Et bien, n'a pas connu qui bat annoncé qu'il a retiré citoyen Lio dans zone métropolitaine pour dossier insécurité. À ministère des Affaires étrangères qui bat qui c'est Minrec. Et bien, li annoncé hier jeudi qui était 21 mars 2024 là li pral gen pour retirer citoyen li même qui bloqué en Haïti. Selon ça journaliste Ndialio li même li fait connait qui c'est un média République Dominicaine. Et bien depuis vol yo reprendre dans Caraïbes là et bien précisément dans pays voisin et bien y a fait ça qui donc passager qui sorti qui ba yo même cap vivre Port-au-Prince et bien pral gen temps pour transporter dans divers bus tant qu'au Transtoul pour aller dans Camagüey jusqu'à ce que la caillou même dans pays yo qui bat. D'après sa publication qui fait sous compte X ministère des Affaires étrangères Minrec, et bien situation insécurité a vinn augmenter depuis les environ 3000 prisonniers yo même té sauvé quitté prison et bien pénitencier national là à travers des plus gros prisons ça eux même qui c'est pénitencier national prison civile quoi des bouquets et bien côté plusieurs chefs de gang t'es sauvé et puis river prend contrôle divers espaces dans pays d'Haïti malgré grand pile là qui déjà tombé dans chef gang ça qui t'es sauvé dans prison mais ça pas empêché que moun yo continue paix parallèlement pays CARICOM là yo même yo gain pour mettre en place un conseil présidentiel transition dans pays avant même démission premier ministre Ariel Henry lui-même li officiel net pourquoi il est là Ariel Henry s'est annoncé démission mais li poko jam fin officiel malgré pile haïtien connaît li officiel qui poko comme ça et bien à conseil ça accord même prévoit mini yon force mission multinationale sous direction Kenya pour aider la police combattre avec dossier. Et bien c'est ministre défense la cap parler côté le fait qu'on est quelques jours nous pas suspend kembe communication avec 53 professionnels santé cap fournir service dans sud pays d'Haïti parler avec quelques qui ben qui habitent en Haïti qui souvent acheter produits qui bas pour y vendre dans pays d'Haïti pour finir notre là responsable ministère qui montre inquiétude li pour citoyen yo gagné dans pays d'Haïti yo et ben dans moment ça yo là quoi là majorité pays ça yo même yo déjà a créé façon pour retirer citoyen que yo même yo gagné k'ap vivre dans pays d'Haïti malgré ou tout partisan politique nou yo dans pays noir y a goumé pour pouvoir et ben l'autre pays yo même y a goumé pour vivre peuple pa yo que yo gagné dans pays d'Haïti moun la caille nèg la caille politicien la caille yo pas goumé pour la vie moun sinon yo goumé pour intérêt proche pour intérêt personnel Haïti côté le trouver là et bien politiciens au lieu de chercher un bon accord cap bon et bien y a font accord CARICOM et pour un pile monde accord ça capote plus danger côté capable gain plus sans couler dans pays là et bien l'on contrôle groupe gang cap taille mandat dans Port-au-Prince là mettez sous accord présidentiel ça lui même est-ce qu'il a tout entré avec une force nous pas connaît mais il capable barrer difficile les pour monde ça même yo pral installer et si tout en pile journal parmi yo journalistes qui travaillent dans télé éclair ou bien au fait qu'on est yo t'ai parlé avec responsable palais national yo fait qu'on est yo pas dans dossier créé présidentiel là pourquoi il est là ça capable vinn pidi là dans dernier jour ça là les CARICOM pral veut installer conseil 7 membres ça qui yo déjà gain tout nous nan men qui pas manquer pile temps là pour tendre ça officier. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une des meilleures façons que vous capable ou capable faire sentir travail n'a pas arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté tu abonne avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre.
Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap rewe encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.